Bonjour, bonsoir à tous les amis Causer Peuple, captivement sur YouTube et Facebook. Eh bien, je dis à ce 1er février 2024, eh bien, nous-mêmes, nous sommes présents dans la rue Port-au-Prince pour nous capables de montrer qui sont et la rue à lui-même qui devait pour partir. Là, nous sommes déjà à quitter la zone, car pour Samida, pour nous avoir en bas à ligne la rue, pour nous garder comment. Et en bas ligne à lui-même les levé pour maintenir au niveau des gaz, eh bien, pompe gazoline, on va le visiter, eh bien, pompe et comment ça a fonctionné, est-ce que tout chauffeur moto, machine, après capable de faire gaz normalement. Eh bien, nous déjà arrivé en bas ligne à l'IA, nous avons pu voir comment la circulation a été modifiée. Donc on sait, eh bien, machine qui est déjà sur le moto, qui a fait gaz, voilà. Là, nous on va pompe capitale, nous avons suivi comment machine de l'organisation pour capable de faire gaz. Nous avons déjà descendu sur la LIA et nous avons pu vivre comment ça a été. Et nous avons pour maintenir tout, nous avons marqué tant de l'IA qui nous suit par rapport à la crise à Paris. Nous par contre, est-ce que vraiment c'est ensemble? Parce que ça va pas arriver, mais déjà, la loi dans la vie, nous sommes capables de vivre comment la vie a lieu. Il est tout matin. On va dire jeudi à ce 1er février 2024. Et c'est causé de là, et bien entendu, pour pouvoir abonner et partager l'AISA le 1er février 2024. Et après, on va regarder comment la circulation du pays a fonctionné le matin là. Voilà, on va arriver devant notre pompe qui est nationale et toujours sur la LIA. On va faire une belle pour regarder ce que le service capte. Donc, on peut vraiment ouvert, mais pour pouvoir manger une moto machine qui a fait gaz. Est-ce que c'est gaz qui a mis du pardon nous vous reconnaître. Mais maintenant, ce route-là, la sillonnée, vous allez commencer à y aller pour marquer un an. C'est tout. Vous pouvez vous dire, vous allez vous garder. Eh bien, et toujours dans quelle information, nous avons bien une manifestation. Qui déjà commencé sur la citoyenne, eh bien, pour des talbots, on n'a pas voir le fond, mais malheureusement, et la manifestation s'améliore, la police est chargée de passer par le gaz, là, nous avons une manifestation s'améliore, nous avons dit deux fois, à Ariel Henry, et nous avons déjà validé devant l'éducation massive pour commencer à faire des choses. Voilà, nous déjà validé devant l'éducation. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que voilà, eh bien, nous avons une immigration, nous avons regardé comment la rue a lui-même, nous avons fait une circulation timidement par rapport à la rue qui est déjà apparue. Et depuis le matin, nous avons lui-même dit pas OK. Eh bien, c'est comme ça. Là, il faut que nous devions nous lever pour marquer un petit peu. Pour le 1er février 2024, là. Voilà, nous pouvons avancer et en bas, l'autre porte en gazoline. Et nous connaissons qui la pointe en avenue Christophe là. Nous sommes capables de gagner comment le gaz à l'immobilier a fait pour marquer là. Parce que nous connaissons capables de gagner en gaz à l'immobilier comme ça. Pour avoir des conflits qui viennent entre les gaz à l'immobilier. En bas la ville, et bien ça à la bouche, gaz à lui-même, il pas rentrer, c'est facile. Mais nous devons regarder en bas de comment ça a été pour maintenant là, et l'idée notre élection marche là. Nous
regarder comment les chaînes masculines ont levé pour ce matin-là. Nous avons 7 jours de japonais, et comment ça est? Voilà, donc on va vous remarquer, c'est bien ce qu'on prend qui est déjà dans l'angle avec Christophe et puis la Guyane même. Il est déjà ouvert, mais nous pas constater pour la monde chauffeur moto qui a fait gaz, mais tout simplement, eh bien, chauffeur moto déjà en bas moto. Nous connaissons à chaque fois bien sûr la pluie et la pluie qui a tombé pour le même et du pas ok et nous allons regarder notre poste marchand et comment ça y est. Nous connaissons la lune qui a fini ok et tout, et bien la pluie déjà tombé et la pluie a dit comment le poste marchand qui est pour marcher là. Voilà, c'est déjà. Nous sommes quittés Pont-Plan, nous sommes plutôt comment ça et bien. Et nous descendons là les droite pour nous regarder comment il a mal. Il est lié dans le moment. Et bien, périmètre Chan Maslan, nous allons faire un coup pour nous regarder comment Chan Maslan est levé pour Martin. Nous connaissons. Et le plus souvent, c'est militant Chan Maslan comme ça. C'est un boulet qui a été bloqué et périmètre là. Mais militant ça a eu quelques mois là, et puis dans Ariel, il y a un pouvoir. Et bien écoutez, pas facile, mais à trouver comme ça. Voilà, nous sommes déjà présents dans le Lama. Et nous avons tiré, nous n'avons pas passé à l'île. Déjà dans le périmètre de Chambasse, on va regarder comment ça y est. On va regarder comment Chambasse a dit même levé. Puis maintenant là, nous connaissons 7 février va arriver. Déjà jeudi, c'est 1er février 2024. Et bien, 6 jours avant, on va constater comment là il y a levé pour maintenant là. Voilà, nous sommes ici en Chambasse qui est levé tranquille. Par rapport à des gens, ça a l'époque Jovenel, Moïse, eh bien, c'est différent pour maintenant là. Comme je vous le dis, je vais vous mettre de l'autre bois. Oui, on peut faire un peu de l'autre bois. Je ne sais pas qui t'a fait ton année. Voilà, et ça s'est rentré par le national. Bien, nous regardons comment ça arrive maintenant là. Nous déjà appuyé. Et bien, ma vie en bois, ça a la chambre à ça. Et puis, comment.
Dans le cadre de conférence pour la presse collective 7 février, qui est une organisation universitaire, étudiants, société civile et syndicaliste, je dis d'abord pour nous fixer position sur cette crise qui a brassé le pays. Ensuite, pour nous non seulement parler de cette activité, au calendrier d'activité nous avons gagné pour le jour passé, et l'autre calendrier d'activité nous projeter pour le jour qui a venu là. Donc, collectif 7 février, c'est une structure, je me dis, qui monte en dans l'université, qui regroupe professionnels et étudiants. Là-dedans, il y a plus de 50 étudiants, universitaires, mémorants, et syndicalistes et monde dans la société civile. Là. Je dis à la, tant que le professeur Montferrier devant Takadil, nous avons un pays qui n'est pas ni administré ni dirigé. Donc, nous avons un premier ministre qui est dans la tête, qui signe plus de 2 accords. Pour aucun résultat. Nous avons un premier ministre qui comporte le président, alors que la sécurité, qui est un bien public, n'est pas même qu'à Cyril. Qui est la première mission de l'État, n'est pas qu'à Cyril. Peut-être ça, nous-mêmes, comme étudiants universitaires et avocats de société, nous avons décidé d'abord de fixer position nous sur l'accord 21 décembre, qui est un document qui signé en Conseil des ministres, qui est à la fois en force juridico et politique, mais également qui signe un conseil des ministres, comme je dis à l'heure, qui publié sur Pico Journal et PIA et Journal officiel, qui c'est Journal Le Moniteur. Dans le document ça, qui écrit comme ça, gouvernance pour une transition inclusive et des élections transparentes, qui te prévoit en 2023 élections télé organisées. Et document ça m'a parlé là, qui te prévoit également monter à CT, qui c'est au Conseil de transition, dans l'idée pour te freiner vague insécurité qui gagne dans le pays. Mais c'est même document ça, dans l'article 20, qui prévoit 7 février 2024, de l'élection organisée dans le pays, qui prévoit fin mandat Premier ministre. Donc peut-être ça, moi je pense que nos séries d'activités nous avons gagné, d'abord nous faire conférence de presse déjà pour fixer position nous. Ensuite, nous avons gagné marche que nous avons organisé. Et d'autant plus, nous avons gagné exposition que nous avons fait devant la faculté d'ethnologie vendredi dernier, toujours dans le cadre de série mobilisation nous avons projeté pour jouer à Villa. Mais je dis, moi pense que tout indicateur rouge, pas gagné aucun bilan pour la gouvernance Ariel Henry. D'abord, nous considérons, je dis, gagné plus passé 86 l'école de Mariani qui fermait. Dans Matissan, il y a 141 l'école qui ferme. Dans Croix-des-Bouquets, il y a 47. Dans Peigné, il y a 57. Jodi à la, nous avons une insécurité galopante.
les me dit on insécurité galopante, nous songer je dis à Cafoufeuille, nous songer Mariani, nous songer Pernier, nous songer Croix des Bouquets, nous songer également Belin pour nous citer ça seulement. Donc c'est de ces monde qui courir pour gang, qui courir pour balle. Moi quoi également nous gagner en inflation qui a plus passé 30%. Gagne également en insécurité alimentaire qui je dis arrivé à 50%. Et en 2021, insécurité alimentaire était à 35%. Ça qui veut dire de 2021 à 2024, nous avons une insécurité alimentaire qui arrivait à plus passer 50%. Donc je dis à en décembre 2021, le gouvernement Ariel Henry a décidé de monter le prix du gaz. La gasoline qui était montée à 128%, il y a également diesel qui était à 90%, il y a également kérosène à 89%. Nous songeons qui ensemble colère et décision ça te soulevé la caille population parce que ça monte gaz à la bien conséquence sur tout notre produit yo. Et pour te arriver peser colère peuple là gouvernement te dit automatiquement gaz à monter après gain de programme social pour assister moun yo ak famille qui pi mal yo. Mais je dis c'est pas ça qui fait nous gagnons plus moun qui nan grand goût, nous gagnons plus moun qui pas ka manger et gouvernement pas fait cas de moun sa yo. Je dis à là, nous avons l'État qui perd du monopole violence. Li. Donc, route nationale, pratiquement pas circulation pas faite librement. C'est qu'à Matissan, c'est qu'à Mariani. Donc, nous avons l'État qui fait silence sur tout cas. Nous avons en 2023, Victor Généris dernièrement, sur le chiffre, ça, au Conseil de sécurité de l'ONU, a gagné sous Haïti. Il y a plus de 5000 personnes qui mourent. Même en Ukraine qui gagne guerre pas tout le monde ça qui mouri. Donc nous comprenons je dis à nous en affaire avec un gouvernement qui est compétent, qui décrié, qui est populaire, qui pas la population réglée en un pour lui. L'en considérer gouvernement Ariel Henry a été monté dans l'idée pour organiser l'élection de 2021 à 2024 aucun même KVP n'a pas arrivé à monter. Ça qui veut dire gouvernement Ariel Henry qui c'est troisième version PHTK. Donc de PHTK à gouvernement Ariel Henry, il n'y a pas aucune élection qui monte. Nous comprenons que les gens n'ont pas une volonté pour d'autres pays à de monde qui sont dans l'élection pour diriger. Peut-être ça, nous fixons position nous en tant que collectif 7 février déjà. Nous croyons, moment arrivé, ce n'est pas question de démission encore. 7 février, Ariel Henry, peuple là, parti politique, syndicaliste, doit monter la primature pour aller suppléer en Ariel Henry qui ne peut pas régler rien dans le pays. Qui joue les jeudi à jeunesse là, c'est Nicaragua, c'est Chili, c'est Brésil, c'est Biden. Donc on paye côté que jeunes qui c'est capacité pays, jeunes qui c'est ressources humaines, à quitter pays, moi dis qui a venu pour payer ça. Peut-être ça je dis à nous clair position nous. Nous t'ai déjà dit n'a pas marché contre toute structure politique. Nous sommes fait la semaine dernière là. Nous t'ai déjà dit n'a pas chita parler avec toute organisation de base. Nous sommes fait la semaine dernière là pour mobilisation générale dans le pays. Moi pour samedi nous prêts pour mobilisation. Moi crois également vendredi et structure là gagner pour porter en lettre. Donc moi pense n'a pas éviter la presse pour aller porter en plainte contre Ariel Henry, n'a fait nous accompagner de avocat. Moi crois également qu'il y a de mobilisation qui lancée pour dimanche. Moi crois également qu'il y a de mobilisation qui lancée pour lundi. C'est-à-dire qu'il y a de organisation, qu'il y a des étudiants, qu'il y a de groupements droits humains en dans société a qui prêt pour faire de sitting pour faire de organisation. Nous t'ai déjà dit dans la première conférence de presse qu'on gagné, n'a supporté tout mouvement pacifique qui rivait qui prêt pour chaper pour chambarder et chavirer système ça. Chavirer système là qui gagne pour gardien qui c'est Ariel Henry. Donc c'est dans l'idée ça conférence de presse a fait journée jeudi a pour nous dire mobilisation li non stop. Pour nous dire mobilisation c'est une mobilisation générale que le parti politique que le syndicaliste n'a accompagné tout parti politique, tout syndicaliste, c'est peut-être ça moun ka fou faire qui dans la rue. Peut-être ça moun peigné, moun ka pour bou bal, yo doit rejoindre mobilisation ça pour forcer Ariel Henry le 7 février au plus tard remettre clé primature là qui dans mel là. Merci. On dit avant la société a nous gagnons en façon nos batailles même j'en défais devant l'idéologie nous croyons c'est dans mettre de chiffres c'est dans arriver parler avec dit instance qui concerne nous parce que malheureusement je dis a sans pouvoir pas en Haïti tout le monde songe comment Ariel Henry est monté dans tête primature là l'aime dit sans pouvoir pas en Haïti peuple là on dit il perd sa réelle souveraineté a. Donc je dis hein, c'est parce que gagne un groupe qui mettait tête ensemble les têtes communauté internationale qui te font tout pour mettre Ariel Henry. Donc pour nous mêmes nous pouvons
même si nous pouvons demain, si je veux vendredi, nous avons fait, nous avons porté de plainte avec Maître Ariel Henry, avec l'ambassade, avec le consulat pour nous dire Ariel Henry, est-ce que la CAINU a traité les gens comme ça? Non. Est-ce que la CAINU, même chien, a traité ça? Non. Moi, je crois que si la CAINU n'a pas traité les gens comme ça, il n'a pas traité les chiens comme ça. Pour qui ça, Ariel Henry, depuis passé 30 mois, il a été tête pouvoir, il a traité les gens comme ça, et nous avons vécu dans des conditions infrahumaines, nous continuons à supporter. Nous, même étudiants, c'est peut-être moi et ça nous gagne pour faire voir le passé. Mais si il y a toute l'autre, si il y a toute l'autre parti politique, si il y a toute l'autre structure qui décide de bataille de façon par eux, pour eux, arriver qu'à côté du système, ça, qui est comme gardien Ariel Henry, nous-mêmes, nous pas contre eux, ou tout au moins, nous des positions, nous des façons, nous bataille, yo même tout y a fait même bataille là pour l'autre société, pour l'autre Haïti. Est-ce que Ariel qui était pouvoir que lui-même estimé, il pensait que c'est pouvoir qui est le chez maîtresse. C'est raison ça je dis à nous faire et nous faire conférence ça en façon pour relayer pour nous dire tout mouvement, toute structure, toute organisation de base, je dis à qui estime que Ariel Henry pas compétent, Ariel Henry incompétent. Nous invitons toute structure de base, je dis à, quel que soit le mouvement, nous camper derrière, nous courons le mouvement pour nous permettre et nous font force pour nous dire à Ariel Henry, là pas place ou incompétent. Parce que je dis, après plus passer 30 mois, Ariel Henry est sous un gouvernement, car il y a 6 écoles fermées dans Mariani. Alors que nous connaissons l'école, l'éducation, son droit pour que tout le monde aille à l'école. Lorsque tout le monde pas à l'école, moi je me demande qui ça l'État lui-même dit. Alors ce que nous connaissons l'État, c'est l'instance qu'il a qui peut protéger la question de ça. Ok? Je ne veux dire là, on pas 4 personnes déplacées dans le cas où fait. Mais regarde comment ils ont dormi. Alors que le droit au logement, c'est un citoyen doué, joindre ça. L'État, c'est l'instance qu'il a pour protéger ça. Jusqu'à présent, le gouvernement là, la garde Mounio, il n'a pas dit. Dans le sens ça, nous disons à Ariel Henry, ou incompétent, nous demandons démission à Ariel Henry sans condition, nous-mêmes en dépôt de 17 000. Démission à 17 000.